Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, a dévoilé les résultats de l'audit sur l'accueil en commissariat et brigade de gendarmerie des victimes de violences à Rambouillet vendredi 5 mars. Les résultats sont encourageants. Ce que nous dit cet audit, c'est que 90% des victimes sont globalement satisfaites de l'accueil. 90% des victimes globalement satisfaites de l'accueil, c'est un chiffre encourageant, important, mais qui ne doit pas nous conduire à invisibiliser les 10% des cas pour lesquels ça se passe mal et pour lesquels cela peut conduire à des drames et à la mort de ces femmes. Parmi les autres résultats, 75% des victimes trouvent les délais d'attente satisfaisants et 80% d'entre elles ont jugé la confidentialité des locaux également satisfaisante. Par ailleurs, en zone gendarmerie, seuls 43% ont été en contact avec une intervenante sociale au sein des locaux de la gendarmerie. Ce n'est pas suffisant, c'est moins d'une victime sur deux. Lorsqu'on connaît l'apport et l'importance du rôle des intervenants sociaux en commissariat et en brigade de gendarmerie, leur travail il est maintenant unanimement salué, il est mieux connu. C'est la raison pour laquelle nous en renforçons massivement les recrutements. La ministre était à Rambouillet à l'invitation d'Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines. Le commissariat de police de la ville n'a pas été choisi au hasard, les agents ayant pris plusieurs initiatives pour accueillir au mieux les victimes. L'engagement et la bonne volonté des policiers et des gendarmes, elles sont fondamentales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des engagements personnels pour créer, pour innover, on peut avancer. C'est le cas par exemple ici avec le QR code qui a été créé d'initiative. Marlène Schiappa a annoncé que cet audit sur l'accueil en commissariat et brigade de gendarmerie des victimes de violences serait reconduit chaque année.